bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de iOS 11 avec la version bêta 2 et on va voir ensemble une petite fonctionnalité cachée dans l'accessibilité. Et cette fonctionnalité iOS 11 va nous rendre un joli service. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est parti pour la démo. Alors, comme je vous disais, cette fonctionnalité se trouve dans accessibilité. Donc, on va se rendre dans réglages. Santé, wallet, réglages. Notification, centre de ne pas déranger, général, bouton. Accessibilité. Accessibilité, bouton, vibration, sortie des appels, bouton. Sortie des appels. Sortie des appels, en tête. Automatique, case sélectionnée. Haut-parleur. On va mettre donc la sortie des appels sur haut-parleur. La sortie des appels détermine la sortie du son lors d'un appel téléphonique ou d'un appel FaceTime audio. Répondre automatiquement. 3 secondes. Et voilà cette petite nouvelle fonctionnalité où on va pouvoir répondre automatiquement avec l'iPhone. C'est-à-dire que vous n'allez plus toucher à votre iPhone. Si vous savez que vous allez être dans un endroit où vous n'allez pas pouvoir toucher votre iPhone, si malheureusement vous avez un problème d'handicap des membres supérieurs et que vous avez du mal à décrocher avec l'iPhone, eh bien vous allez pouvoir le faire ici tout seul grâce à cette nouvelle fonctionnalité iOS 11. Sortie des appels, répondre automatiquement, activer, temps d'attente avant de répondre automatiquement à l'appel, seconde, 3,00, décrémenter, bouton. Alors on va pouvoir lui demander un certain laps de temps, alors 3 secondes ici j'ai mis, mais on va pouvoir incrémenter, bouton. Incrémenter c'est remonter. Incrémenter 4 secondes, incrémenter 5 secondes. Et ici, je lui ai demandé que l'iPhone décroche au bout de 5 secondes. C'est à vous de faire ce réglage. L'iPhone décrochera tout seul. Vous n'aurez pas, si vous êtes par exemple mécanicien et que vous avez les mains occupées, l'iPhone décrochera automatiquement ou, comme je disais, avec un problème des mains, vous avez tout de suite l'iPhone qui va décrocher. Alors attention, car ce procédé va décrocher à tout le monde. Alors je vais vous faire montrer la démo. On va tout de suite appeler l'iPhone. Alors on va tout de suite lancer l'appel pour voir si tout fonctionne bien comme il faut. Donc je lui ai demandé que au bout de 5 secondes l'iPhone décroche seul. L'entrant, numéro masqué, accepté, bouton. Oui, allô. Voilà, vous avez pu voir que sans toucher l'iPhone, il s'est déclenché tout seul. Réglage, sortie des appels, bouton de retour. Et comme on l'a réglé sur haut-parleur, bien entendu, notre correspondant sera dirigé directement sur les haut-parleurs de notre iPhone. Alors j'ai trouvé cette fonctionnalité vraiment idéale pour beaucoup de gens qui ont du mal à décrocher avec l'iPhone et pour les personnes en situation de handicap ayant des difficultés de décrocher sur l'écran d'iPhone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré une des fonctionnalités cachées de l'iPhone et d'iOS 11, un décrochage automatique et quelque chose qui peut rendre bien des services à beaucoup de gens, surtout en situation de handicap. Voilà donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, pensez bien à vous abonner pour continuer à m'encourager. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !